Bonjour tout le monde. Oula, ça vient vite, ça vient vite. Bonjour à toutes et à tous. On est super content de vous retrouver pour une nouvelle masterclass de Product Crew sur un sujet engineering. Et quel sujet? Parce qu'on parle beaucoup d'architecture, de clean architecture, d'hexagonal architecture, des thèmes qui existent depuis bien longtemps et qu'on revoit réapparaître. Et aujourd'hui, on est très content de recevoir Michael, qui connaît bien ses concepts, qui les travaille depuis quand même pas mal de temps, qui a fait un tour chez Octo Technologies. Beaucoup de ces notions-là sont effectivement développées, travaillées et évangélisées. Et puis maintenant, aujourd'hui, tu as créé ta propre boîte, Michael, et tu proposes justement de faire du coaching craft en général et de réfléchir à ces problématiques-là et de faire du dev vraiment hands-on au quotidien. Donc tu as pas mal d'expérience sur les réflexions et les mises en place autour de ces concepts de clean architecture, et on va se focaliser sur la partie front-end. C'est pas forcément l'endroit où on l'attend en premier, pour autant on en parle de plus en plus. Donc on va voir pourquoi, comment, qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce qu'on y gagne de le faire. Donc merci encore Mickaël d'avoir accepté notre invitation. À toutes et tous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en mettant à tout le monde. Comme ça, tout le monde pourra les voir. Et puis, je compilerai et j'essaierai de regrouper les questions pour te les poser, Mickaël, à la fin. Donc, voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Mickaël, à toi la parole. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation aussi. C'est très sympa, c'est une certaine reconnaissance de son travail et des partages qu'on peut faire. Donc c'est toujours sympa d'être invité. Hop, est-ce qu'on est bon sur l'écran? On est au top. Super. Et ben du coup, donc l'intervention qu'on va faire aujourd'hui, c'est repenser un peu l'architecture d'une application front, et notamment au travers donc de la clean architecture, à autre nom pour hexagonal architecture ou onion architecture. Moi, j'aime bien ce terme-là. Il est un peu plus, je le trouve un peu plus simple et un peu plus marketing que les autres, donc c'est pour ça que je l'emploie assez régulièrement, mais les autres sont des dérivés, des équivalents. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, me concernant, brièvement, donc j'étais brièvement introduit, mais effectivement, donc, je viens de créer mon entreprise en République tchèque, et j'ai un background donc, de développeur craft full stack, et effectivement, je suis aussi. Je peux faire du coaching craft et agile si besoin. On a aussi des formations. Et au niveau cursus, moi j'ai un cursus assez peut-être atypique, on ne sait pas. Mais donc ça fait 10 ans que je suis dans le monde de l'informatique et j'ai commencé mes 5 premières années dans la gestion de projet. Voilà, en tant que chef de projet et PO. Et après, j'ai rebasculé donc, sur les 5 dernières années, d'abord 4 ans, à peu près 4 ans, en tant que consultant senior chez Octo. Et là, depuis janvier 2022, en tant que freelance. Et comme je l'ai un peu introduit juste avant, j'habite à Prague, en République tchèque. Mais ça m'arrive de faire des allers-retours en France occasionnellement. Donc ça, c'était pour moi. Maintenant, passons au vif du sujet. Au quotidien, on fait des choix de design, d'architecture, etc. Et il faut se dire que chacun de ces choix, ils ont toujours des avantages. C'est souvent ce qu'on voit en premier, parce que quand on fait un choix, voilà, on aime bien les avantages que ça procure, mais il ne faut pas oublier que ça procure aussi des inconvénients. Et en fait, l'idée quand on fait un choix d'architecture, c'est de mettre en balance ces deux aspects-là, et donc de faire le choix qui semble avoir le plus d'avantages à la fois sur le court terme, parce que c'est bien, bah, ça nous débloque une situation, mais sur le moyen et le long terme. Parce que si on fait un choix et que, je sais pas, dans 2 ou 3 mois, il nous bloque, bah, c'est un peu dommage. Donc c'est un amalgame de tout ça, tout un mélange de ces choix, de notre expérience qui doit amener à un choix, voilà, qui doit être pérenne dans le temps et qui nous aide tout au long de la vie du projet. Voilà, donc ça c'est important. Donc surtout avoir toujours se dire qu'il y a des inconvénients à un choix qu'on fait.
Et donc, je vais partir d'une citation, voilà, peut-être d'un fait, je ne sais pas, mais en tout cas de quelque chose qu'on peut entendre ou qu'on entendait en tout cas régulièrement, c'est que on entend qu'une application front, donc sous-entendu un site web, un front-end, est entre guillemets jetable. Donc, je me suis posé la question, mais d'où vient cette expression? Et bon, évidemment, elle est fausse. Pardon. Cette expression est fausse. Un front n'est pas jetable. On en voit qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, même plus, hein. Donc, on va essayer de se poser la question d'où vient cette croyance. Donc, possiblement, bah, il n'y a pas de métier dans le front. Donc, du coup, on peut le mettre à la poubelle un peu quand on veut, à la différence du bac, évidemment. Donc, voilà. Donc, il est jetable. Le front, un peu en adéquation avec le premier point, bah, c'est que du front ou du bling-bling. Bon, bah, voilà quoi. Donc, si c'est que ça, bon, bah, pareil, c'est pas important ça crée du temps, vu que c'est que ça. Il y a aussi l'aspect, bah, il y a quelques années, il y avait un nouveau framework front à la mode qui sortait, mais assez régulièrement. Et du coup, bah, les développeurs, à juste titre ou non, voulaient passer sur ce nouveau framework et du coup, bah, devaient potentiellement refaire une nouvelle fois l'application front. Donc, bah, mon front, il dure, je sais pas, 6 mois, mais au bout de 6 mois, j'ai une nouvelle techno qui arrive et je dois tout refaire. Bah, jetable. Voilà. Moi, là, cette affirmation est un peu moins vraie en ce moment. On a trois librairies vraiment qui sont assez identifiées avec des petites variantes, mais c'est grosso modo, c'est Angular, Vue et React, hein, on peut pas les citer. Mais avant, enfin, voilà. Une autre croyance, le front, c'est un visuel qui change tout le temps. Voilà, donc, comme ça change tout le temps, bah, je peux le jeter. Après, est-ce qu'on est d'accord ou pas, c'est à débat, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et ça, l'avant-dernière, effectivement, il y a moins de conventions que dans le bac. Souvent, les frameworks bac sont quand même beaucoup plus matures, beaucoup plus anciens, donc avec une certaine maturité. Je pense à Spring Boot, à Symfony, à Play Framework, enfin tout ça, ils arrivent avec des conventions, de l'injection de dépendance, plein de principes qui structurent le développement du quotidien. Mais par contre, on n'a pas, même encore aujourd'hui, on n'a pas vraiment ça côté front. Donc, bah, c'est un peu YOLO. Donc, on fait avec ce qu'on peut, avec nos connaissances. Il y a encore Angular qui structure un petit peu ça avec quand il amène son conteneur de dépendance, mais quand on parle de React ou de Vue, c'est très, très libre d'interprétation et on fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, donc c'est pas très cadré. Et enfin, donc ça c'est un peu pour troller mes amis bac, alors que je suis moi-même full stack, mais voilà, une rumeur propagée par les développeurs bac qui n'aiment pas du coup faire du CSS et tout ça. Bon, c'est bon enfant. Et donc tous ces points poussent à un peu, voire beaucoup moins penser, se poser, réfléchir sur l'architecture de notre application front. Et donc ça amène des choses. Donc, si on revient à une de mes premières slides, moins pousser l'architecture front, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait délibérément de ne pas consacrer du temps dessus. Et donc, quel problème ça peut engendrer, ce non-choix, on va dire? Eh bien, ça peut engendrer des problèmes d'évolutivité. À un moment donné, mon front, on me demande une nouvelle fonctionnalité, mais le code est trop entremêlé et ben, je ne peux pas, ou ça me prend plus de temps qu'à l'accoutumée de mettre une nouvelle fonctionnalité. Donc voilà, problème d'évolutivité, problème de maintenabilité, un peu en résonance avec le précédent. Voilà, j'ai un bug, mais il y a des composants qui appellent d'autres composants, on a du tout web binding dans tous les sens, on ne sait pas où la donner, ben voilà, c'est compliqué. Fiabilité, ben, un peu avec les deux autres, hein, de toute façon, ça se suit, hein. On a peut-être des bugs qui
qui arrivent comme ça, ou quand on modifie un truc, on a l'autre côté de l'appli où on introduit un bug, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas forcément le lien entre les deux. De testabilité, si tout est entremêlé, bah, c'est compliqué à tester en isolation. Bah, on est obligé de passer peut-être par le composant. Donc, c'est vraiment long à monter un composant. Si on a une batterie de 400 tests, bah, ça va vite aller entre la minute et 2 minutes. Et encore, là, je suis peut-être sympa. Et comme tout est entremêlé, bah, c'est compliqué de savoir quoi tester, par où tester et tout ça. Donc, c'est compliqué. Et bien sûr, il y a d'autres choses. Certainement, vous avez d'autres problématiques qui vont vous arriver à l'esprit en m'entendant. Et si on se pose 5 minutes, si on regarde ces problématiques, ben en fait, c'est exactement les mêmes que les problématiques du bac. Parce que le bac aussi, il a des problèmes d'évolutivité, de maintenabilité, de testabilité. C'est exactement les mêmes. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, évidemment, mais c'est ce que j'en conclus, c'est exactement les mêmes. Donc, si c'est les mêmes problématiques, pourquoi pas traiter le bac de la même façon, le front de la même façon que le bac au final? Et donc, c'est là qu'on va voir, on va essayer de transposer nos connaissances d'architecture du bac vers le front. Donc, en bac, on aime bien isoler notre métier avec les cas d'utilisation, donc les use cases, les services et tout ça. Voilà, en général, si on fait un rapprochement avec la clinarchie, ah, c'est ce qu'on veut essayer d'isoler de la base de données, de comment c'est exposé, tout ça. Et donc, c'est un peu comme ce que je mets sur la diapo. C'est écrit essentiellement en langage pur, donc Java, TypeScript et tout ça. Eh ben, on peut faire la même chose de côté front. Côté front, on peut isoler le métier, les cas d'utilisation, les services, etc. Donc là, côté front, ça sera plutôt écrit en JavaScript ou en TypeScript. Donc on voit déjà qu'on peut transposer ce qu'on souhaite isoler en back, on peut isoler des choses en front de la même façon. Ensuite, en back, on a une partie qu'on appelle infra, repo, quelque chose comme ça, qui va être utilisé par notre centre. Donc, par exemple, la sauvegarde en base de données, donc avec un ORM, des appels HTTP, des envois de mails, des envois de messages dans un broker, par exemple. Donc, ça, c'est typiquement des trucs qu'on peut trouver côté back. Et ben, on va transposer ça dans un front. Ben, c'est quoi? C'est, par exemple, faire des appels HTTP, c'est faire appel à stocker des choses dans le local storage, dans un cookie, etc. C'est la même chose. Alors, on transpose. C'est utilisé par le centre. Et enfin, côté back, donc on expose donc la partie qui utilise notre centre. Donc en général, donc des endpoints API, mais ça peut être des cron jobs, ça peut être des endpoints GraphQL, enfin la commande CLI, enfin, plein de choses comme ça. Et ben côté front, c'est quoi? Ben, c'est essentiellement les composants. Voilà, les composants qui vont interagir avec notre centre pour faire une action, par exemple envoyer un formulaire, charger une liste, des choses comme ça. Et donc là, on voit que c'est quand même assez similaire, hein. Et pour finir, que bah, le bac, donc notre volonté, c'était bien d'isoler le centre de la partie de ce qu'on appelle des détails d'implémentation, donc de la partie de droite, donc avec la base de données, des choses comme ça, et la partie de gauche. Donc, tout ce qui est exposition. Et bah, côté front, on arrive à la même conclusion. Donc, on a bien une symétrie entre les deux parties. Donc, déjà, ça, on a montré qu'on pouvait reproduire ce qu'on connaît en bac côté front. On peut transposer. Ensuite, l'un des gros avantages de ce principe, de cette architecture, donc, on va reprendre. Donc, notre centre avec notre métier, tout ça qu'on a bien isolé de tout. Et on a une application qui part sur, voilà, les composants sont en React et elle fait des appels API à un tiers, à une API, enfin, whatever. Et donc, demain, pour une raison intrinsèque de l'équipe, on souhaite changer la façon de faire des composants. On souhaite passer de React
à Next.js, par exemple. Et bien là, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ma diapo, j'ai juste changé la flèche. Je suis passé de React à Next, mais je n'ai pas changé la partie du centre ni la partie de droite. C'est normal parce que j'ai eu que à changer la partie de gauche, juste les composants. Et donc ça, c'est cool parce que ça induit que, ben, comme je n'ai pas touché le reste, je n'ai pas introduit de bug normalement. En tout cas, pas de bug sur le reste. Et je sais pas, plus tard, comme je n'ai pas la main sur l'API, l'équipe API ou le prestataire, peu importe qui est derrière, décide du jour au lendemain, voilà, on arrête de faire du REST API parce que c'est, je sais pas, c'est has-been, et on décide de passer sur du GraphQL parce que c'est à la mode. Et ben nous, on dit, là, on, avant, sans cette archi, on dit, mais non, mais en fait, je vais être obligé de tout refaire, machin. Et ben là, pas là. Parce que là, je vais avoir juste à changer la partie de droite. Donc, j'ai juste à enlever mes appels API et à les remplacer par des appels GraphQL. Et là, pareil, sur le schéma, je n'ai pas changé mon centre et je n'ai pas changé mes composants. Donc, ça nous amène une certaine flexibilité pour changer des parties qui sont autour de notre métier. Et c'est assez important parce que ça nous permet de pouvoir faire des changements que nous, on décide en tant qu'équipe. Donc, c'est l'exemple que j'ai pris avec React et Next. Mais ça aussi, ça pallie, ça prend en compte des changements qui ne sont pas, qui sont non voulus par nous. Voilà. Par exemple, la partie REST, la partie GraphQL, ben, si notre presta, il décide de faire le changement, bah nous, on n'a pas de poids, enfin en général, on n'a pas de poids pour lui dire, bah non, on reste comme ça, parce que nous, il faut qu'on fasse tout. Le presta, il dit non, bah c'est dans notre roadmap, on a décidé de changer, et bah c'est tant pis pour vous, quoi. Et bah là, on peut pallier à nos deux cas de figure. C'est assez cool parce que notre centre est toujours isolé et on peut faire varier les trucs. Ensuite, ça crée au moins trois cases pour ranger du code. Ça facilite un peu le rangement dans la code base, où au centre, on va ranger en général tout ce qui est domaine métier avec ses règles et ses cas d'utilisation. Dans la partie droite, on va ranger tout ce qui est interaction avec le monde extérieur, hors les interactions avec l'utilisateur. Pourquoi? Tout simplement parce que les interactions avec l'utilisateur, ils vont être portées par la partie de gauche. Donc tout ce qui est affichage, qui est affichage et interaction, qui sont donc dans notre cas portés par les composants, par la librairie ou le framework qu'on a utilisé. Et donc là, on a créé des cases pour pouvoir ranger du code. Les composants, ben, on sait que ça se range là. Si on a du métier, on sait que ça se range là. Et si on a des interactions avec une API REST ou autre, ben, on sait que ça se range là. Tac. On a au minimum trois cases pour ranger du code. Et donc ça fait du code un peu moins fouillis naturellement. Ça permet de travailler de manière indépendante, je mets entre guillemets, dans les différentes parties. Parce que comme on a toujours notre centre qui est isolé et les trois parties qui sont de manière qui sont isolées, ben, si demain je travaillais que sur la partie front, ben, je vais toucher que du front. Je vais que toucher que des composants. Je ne vais pas toucher du métier et je vais encore moins toucher des appels API ou du local storage ou autre. Donc, si je touche que cette partie-là, ben, j'ai moins de chances d'introduire du bug. Et si on travaille en équipe, ben moi je travaille sur cette partie-là. Peut-être que mon collègue, mon voisin, il va travailler sur une autre partie. Et comme elles sont séparées physiquement, ben il y a moins aussi de chances de conflits lors des merges ou lors des rebases. C'est aussi assez sympathique. Voilà, si je un peu en parallèle, si je travaille sur la partie de droite, ben j'ai aucune raison de toucher le centre et encore moins la partie de gauche. Donc pareil, pas d'impact. Et si je touche le centre, c'est un peu le, on va dire, le indépendant, le entre parenthèses, parce que comme tout est un peu dépendant du centre, indirectement, bah, si je le change, notamment les contrats publics, eh ben, je vais devoir quand même un peu ajuster soit ma partie de gauche, soit ma partie de droite en fonction de ce que je fais. Mais si je fais que de la refacto, c'est-à-dire que du changement d'implémentation, bah, j'aurais pas d'impact ni à gauche ni à droite. Et ça aussi, c'est assez cool. Ensuite, ça facilite la testabilité, améliore. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mes problématiques, c'est difficile à tester parce que tout est entremêlé. Mais là, comme on a créé des cases, et bah, notre centre, on peut le tester avec des tests unitaires.
en indépendamment de la partie de gauche et de la partie de droite, donc via des mocks ou des choses comme ça. Moi, ce que j'appelle un test d'intégration, mais on peut tester surtout le principe, c'est tester en isolation la partie de droite sans monter un composant et sans appeler la partie du centre. Bah, je peux tester si mon interaction avec le monde extérieur fonctionne correctement, voilà, en tout seul. Même chose pour la partie de gauche. Voilà, je monte mon composant si je souhaite tester ici. Je monte mon composant, je moque mon use case et hop, je peux tester que le composant. Ou moi, ce que je privilégie, c'est à partir du composant, j'essaye de tester en end-to-end toute la chaîne. C'est au moins un aspect bénéfique de traverser, de passer par le composant. Voilà, donc on a créé des cases. Là, je vais vous montrer un peu de code. Je vais devoir peut-être changer le partage. Alors, stop share, hop, du code. Je vais mettre mon desktop. Alors, déjà, je vais déjà vous montrer un truc que je n'ai pas parlé. Je vais vous montrer plusieurs projets et vous allez voir, je vais essayer de vous montrer quelque chose d'assez frappant. Voilà. C'est que si on adopte cette architecture et c'est un peu ces principes, c'est qu'on va retrouver plus ou moins les mêmes répertoires dans chaque projet. Et donc, si on déplace. Michael, pardon, est-ce que tu peux juste zoomer un tout petit peu Sur sur l'arborescence, je ne peux pas zoomer, sur malheureusement. la partie de droite quand tu présenteras du code? Sur la partie de droite, je pourrais, oui. Mais sur l'arborescence, malheureusement, Yes. je ne peux pas. Oh, ouais, bien sûr, ça marche. Alors, je vais essayer de commenter du coup. Donc, au niveau de l'arborescence, par exemple, là, je joue mon SRC. Alors, déjà, si vous devinez, je regarde dans quel langage c'est fait, chapeau. Parce que là, il n'y a rien qui indique comment c'est fait. Donc, là, si j'ouvre ici, on va voir, voilà, j'ai domaine gateway use case. Et là, si j'ouvre ici, hop, hop, donc là, une autre façon de faire, notre emblème. Hop, tac, je vais remettre en parallèle. Hop, désolé. Voilà. Et donc là, si on regarde, eh ben, j'ai quasiment à la dénomination près la même arborescence de fichiers. Donc ça sous-entend quoi? C'est que je peux switcher de projet facilement et en retrouvant mes petits à chaque fois. Pourquoi? Parce que là, domaine, bah, domaine, domaine, domaine. Getaways, là c'est adapteur, c'est la même chose, grosso modo c'est un synonyme. Getaways, getaways, donc on va retrouver les mêmes choses ici. Use case, il n'y a pas de tiret là, manque de chance, mais use case ici. Je vous mens pas, hein. C'est trois projets différents et on ne sait pas. Alors là on peut savoir, et non, même là on peut pas savoir non plus, on peut pas, et on ne sait pas dans quel techno c'est fait. C'est plutôt assez sympa. Donc là, ce n'est pas fait, mais là, on peut voir un répertoire UI et un répertoire UI ici. Pourquoi je fais ça? À la différence du back, c'est que dans l'UI côté front, il y a tout qui se rejoint. À la différence du back où on peut bien séparer les endpoints dans chaque partie, là, dans l'UI, c'est tellement entremêlé où je la sépare à côté. C'est juste pour donner un peu d'infos de lecture. Sinon, ce que je voulais montrer, donc on va essayer de partir de l'UI. On va prendre par exemple ce projet-là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, tac. Ce projet-là, on va partir de l'UI et on va voir un peu comment ça peut se matérialiser. Donc là, j'ai une app. Et là, donc, bah là, je vois que c'est du Redux. Bon, entre nous, je savais que c'était du Redux, hein. Du Redux, du React, pardon. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, je vois un composant avec des props, du HTML, enfin du JXX classique. Et là, ce qui est important, c'est une façon de faire, hein. Donc là, c'est avec du Redux, mais c'est une façon de faire. Je vous montrerai un truc avec sans State Manager. C'est tout à fait possible sans et avec, hein. Mais on voit qu'avec donc map state to props, map displace to props et la méthode connect, bah en fait, on va venir injecter
les actions et les secteurs. Donc les actions et les secteurs, c'est ce qui peut se résumer à des use cases côté front. C'est très résumé, hein, c'est pas vraiment ça, mais ça se résume comme ça. Et donc là, on a notre donc on a une injection et donc on a nos composants, notre composant qui n'est pas dépendant de ça. Donc demain, je peux changer mon composant, j'ai juste à utiliser les mêmes actions au final. Même action, même secteur pour mon composant. Les repos seront en ressources de la présentation. Donc, pas de souci, vous pourrez regarder à tête reposée. Là, je vais assez vite. Et ensuite, donc désolé, c'est du React avec certaines techno. Avec Redux. Et donc, quand je dois faire, par exemple, un appel API, si vous vous souvenez, moi, je ne veux pas dépendre de cet appel API. Donc, comment je procède? Eh bien, il y a un mécanisme où je vais injecter ma dépendance. Et donc, mon cœur, qui est matérialisé ici par domaine et use case, bien, il va être indépendant. Et comment ça se matérialise? Par exemple, ici, j'ai une EPIC, donc c'est Redux Observa, mais ça marche avec les syncs, ça marche avec ce que vous voulez, hein. C'est le même principe. On voit que là, j'ai de la dépendance qui est injectée. Et donc, je peux utiliser, par exemple, ici, catalogue person loader. Et là, c'est une interface comme un bac derrière. Ce n'est pas l'implémentation. Et donc là, je peux, voilà, je peux charger avec des paramètres. Comme en bac, voilà. Et si on va jusqu'au bout de la chaîne, dans Gateway, par exemple, on voit que j'ai un HTTP catalogue personnage loader qui est ici, qui implémente donc, ce que j'évoquais juste avant, mon interface. On revient ici. Et là, on voit que ben là, je fais ici dans mon cas, mon get vers l'API. Et il n'y a rien de plus. Il n'y a pas d'autres règles. Hop, je vais en montrer un. Celui-là, c'est avec Angular, avec Nginx, mais c'est le même principe. Et là où ça peut être intéressant, c'est celui-là, parce que de mémoire, il n'y a pas de Redux. C'est même pas de mémoire, c'est qu'il n'y a pas de Redux. Et là, on voit comment c'est fait. C'est beaucoup plus basique, mais on voit qu'on a un use case que j'ai appelé Pokémon Handler qui permet de les récupérer tous et ou d'en récupérer le détail d'un. Et là, comment c'est fait? C'est que côté module, là, dans Angular, à un moment donné, on va pouvoir injecter. Donc là, on voit que j'injecte. Oh, désolé hein, pour ceux qui n'en font pas d'Angular, j'espère que ce n'est pas trop chinois. Mais là, en tout cas, ça nous permet d'injecter un peu comme le connect de React Redux, ça nous permet d'injecter notre use case à notre vue, nos composants Angular. Et donc là, ça passe par ce qu'ils appellent des use factory et tout ça. Et donc là, on voit toujours le même principe d'injection. J'injecte ce qu'a besoin mon composant. Et là, dans mon handler, ben, toujours le même principe, mais sauf que là, ce n'est pas via des middleware Redux, c'est via voilà, de l'injection de dépendance, comme on peut trouver encore plus trouver dans le bac. Donc, Pokémon Loader, hop, c'est une interface, toujours le même principe. Et derrière, et donc là c'est un peu le pompon de ce repo, c'est qu'il y a plusieurs sources de données. C'est qu'on a du Firebase, on a du GraphQL. Bon, je vais essayer de les mettre en parallèle. Hop. Hop. Et reste. Voilà. Hop. Tac. Et on voit, bah, ils implémentent toujours la même interface. Et donc, ils doivent respecter le même contrat. On voit qu'il y a toujours la méthode all qui retourne un observable de tableau de Pokémon. All qui retourne un observable. Qui retourne un observable de tableau de Pokémon, et ici, un all qui retourne un observable de tableau de Pokémon. Facile. Au niveau des tests, alors je vais pas. Des tests, ça nous permet d'avoir trois fichiers de tests différents, et je m'occupe que de cette partie. Voilà.
Tac, je vais reprendre sur la présentation. Hop. Tac. Donc là, on a vu un peu de code. Alors, j'étais très bref parce que ben, il n'y a pas non plus beaucoup de temps. Mais pareil, les sources seront dans la présentation. Donc, si vous voulez regarder à tête reposée, il n'y a aucun souci. Alors, oui, effectivement, j'ai dit plein de bonnes choses, que c'est génial, la vie est belle avec tout ça, mais évidemment, il y a des hics, il y a quelques difficultés, un peu comme j'ai commencé à le dire juste avant, c'est que ça nécessite quand même plus de connaissances que le bac, essentiellement parce que c'est moins guidé. Voilà, s'il n'y a pas le conteneur de dépendance comme proposé avec Angular, comment je fais avec React tout vu? Comment je fais ça? Comment je structure mon cœur? Comment j'injecte les trucs et tout ça? Comme c'est moins guidé, bah, il faut des connaissances quand même plus solides dans ces concepts d'injection de dépendance, d'architecture, de code. Et oui, et côté front, au début, c'est un peu difficile à identifier quel est le métier de mon front. C'est quoi mon métier? Parce que en bac, c'est facile, c'est des règles, hein. En front, des fois, parfois, c'est un peu plus. Est-ce que ça c'est dans le composant? Oui, non. Est-ce que c'est autre chose que le composant? Parfois, je pense qu'un truc qui peut être assez sympa pour identifier mon métier, c'est si j'ai un utils, par exemple, à côté de mon composant, c'est que potentiellement, c'est peut-être du métier. Donc, voilà, ça peut être un indice pour identifier du métier front. Mais effectivement, des fois, c'est un peu poreux, c'est un peu compliqué, en tout cas au début. Après, avec l'habitude, ça devient un peu mécanique. Voilà, donc en trade-off de tout ça, parce que j'ai beaucoup parlé, ce qu'il faut retenir, un choix ou un non-choix, parce que ne pas s'intéresser à l'architecture, pour moi, c'est un non-choix, a toujours des avantages et surtout des inconvénients. Et ces avantages et ces inconvénients, ils ont quoi qu'il arrive, et ça c'est vrai pour n'importe quel cas, a toujours des impacts sur la suite du projet, que ce soit bénéfique ou négatif. Ça a toujours des impacts. Grâce à ce choix d'architecture, un peu comme j'essaie de matérialiser avec mon schéma avec React et GraphQL, c'est que ça nous permet de s'autoriser des changements qui n'aurait pas été possible sans. Effectivement, si tout est entremêlé, je ne peux pas me dire, ah, tiens, demain, j'ai envie de changer de librairie front, ben, je le fais, c'est parti, ça va me prendre, je sais pas, 2 semaines à changer 20 composants, ben, je ne peux pas. Si c'est tout est dans le composant, je ne peux pas faire ça. Là, si c'est délié, ben, je peux me dire, ah, tiens, ben, c'est ce que j'ai fait sur un de mes derniers projets perso, c'est que j'avais besoin de passer de React à Next pour notamment des problèmes de SEO. Eh ben, j'ai changé que les composants. Voilà. Et ben, il y avait une dizaine de pages. Voilà. J'ai changé que les composants. Ça a dû me prendre 3 jours, dont un pour me former à Next. Voilà, donc c'est assez sympa, quoi. Du coup, sur ma croyance de base, un front n'est évidemment pas jetable. Ça a des problématiques similaires que celles du bac. Du coup, ben, on peut appliquer. Au moins ça tape un pattern dessus, voilà, dont la clean architecture ou l'hexagonal architecture. Et enfin, c'est ce que je disais juste avant, voilà, mettre en place une clean archi côté front, c'est tout à fait possible et tout à fait bénéfique. Par contre, oui, ça demande des connaissances plus solides que le bac. Toujours parce qu'on est moins guidé, des choses comme ça. Voilà. La présentation sera disponible, hein. Je vous ai mis les ressources, donc j'ai trois vidéos qui parlent de ça. J'ai remis les repos que j'ai évoqués juste avant. Et donc voilà. Donc si vous voulez me suivre, il y a quelques liens. Le QR code. Il pointe vers une page récapitulative de la présentation avec tous les liens, dont le lien pour télécharger la présentation. Et donc, je vais terminer sur, bah, avez-vous des questions? Et moi, j'en ai une première. Est-ce que je peux stopper le partage d'écran ou pas? Tu peux, Mickaël, Super. stopper le partage d'écran, bien sûr, on verra mieux. Merci beaucoup, Mickaël.
pour cette présentation. C'était hyper intéressant. Il y a pas mal de questions qui ont déjà été posées. On a préparé une petite question là, comme ça, à tout le monde. Vous allez pouvoir y répondre par rapport à ce concept de Cleanarchy côté front-end. Essayez de voir un petit peu l'audience, quelle est la représentativité de l'audience dans votre rapport à l'architecture front en général, pas forcément au Cleanarchy, mais disons, pensez l'architecture front. J'en profite pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui pour vous dire que donc, le crew, c'est une communauté de 10 000 personnes. Il y a des devs, il y a des personnes côté data, DevOps, mais aussi des profils produits et design. Donc, c'est vraiment tout, d'où Product Crew, tout ce dont on a besoin pour faire un produit a priori. Et on fait régulièrement des masterclass comme celle qu'on a faite aujourd'hui. On essaie de le faire toutes les semaines. Il n'y aura pas la semaine prochaine, mais il y en aura dans 2 semaines pour le coup. Lucie va vous poster le lien. On publie pas mal de contenu aussi et on vous aide également à trouver votre prochaine aventure ou votre prochain dev si vous recrutez. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça et voir nous proposer de faire des masterclass comme aujourd'hui. Voilà, on a envie de faire participer à cette communauté-là. Du coup, est-ce que ça donne envie de restructurer l'architecture, Mickaël, ce que tu nous as raconté? Plutôt oui. Et effectivement, cette question qui revient souvent, pas qu'une question de front-end d'ailleurs, on ne sait pas forcément trop par où commencer. Et partons de cette première question qui y a dans le sous-texte. C'est si vraiment, voilà, je suis convaincu par ce que tu as présenté, j'ai envie de le faire aujourd'hui, enfin d'en parler à mon équipe, les gens sont intéressés. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le premier step que je dois faire? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de steps, enfin beaucoup de steps, beaucoup de points d'entrée différents. C'est un, est-ce que j'ai quelqu'un en interne qui sait faire? Ou qui sait, qui a des notions et qui ne demande que à, en gros, le droit à l'erreur et de tester? Eh bien, ça peut être première approche. C'est voilà, donner la possibilité à cette personne ou ce binôme, enfin ces personnes, hein, ça peut pas être, c'est pas forcément qu'une seule personne, voilà, d'essayer et voilà, de donner le droit à l'erreur, surtout de donner le droit à l'erreur à cette personne, voilà, qui va tester pendant certainement plusieurs semaines. Donc potentiellement pendant plusieurs semaines, cette personne ne, entre guillemets, ne délivrera pas de valeur pour le produit, mais si cette personne arrive, bah, délivrera de la valeur à la fois pour elle-même et pour le produit, pour la suite du produit. Ensuite, il y a à faire appel à des coachs, comme moi par exemple, mais j'en connais d'autres, qui vont aider l'équipe à raison d'un certain nombre de jours par semaine ou par mois à mettre en place les principes de base avec des steps à difficulté, on va dire, croissante et qui va vous aider à mettre en place ça. Il faut toujours garder en tête que si vous décidez de sauter le pas, c'est qu'à un moment donné, au début, il y aura forcément deux choses vraies. C'est un, le temps de monter en compétence de l'équipe, et deux, le projet ralentira. Quoi qu'il arrive. Ça, il faut l'avoir en tête. Mais c'est ralentir pour accélérer par la suite. Donc, j'ai donné mon histoire de coach, effectivement, quelqu'un qui sait, voilà, qui sait faire ça, qui en fait au quotidien, qui sait l'amener, qui a éventuellement vu plusieurs cas de figure, dont une restructuration de code. Voilà, donc quelqu'un qui va vous coacher. Passer par la formation, pourquoi pas, mais vous allez vous retrouver au cas numéro 1, c'est-à-dire quelqu'un qui sait et qui fera donner le droit à l'erreur à cette personne pour mettre en place ça, enfin cette personne ou l'équipe. Et enfin, ou faire un recrutement, on va dire, astucieux d'un tech lead, d'un dev senior qui sait faire ça et qui aura le mandat pour amener ça
sur le projet et au travers de l'équipe. Donc voilà, si je résume, une personne dans l'équipe qui sait ou qui veut mettre ça en place, donc du décès, droit à l'erreur, un coach qui va venir voilà, un certain nombre de jours, qui va aider à bootstrapper le truc, et ou recruter quelqu'un dans l'équipe, donc qui sera au quotidien avec l'équipe du coup, un dev à part entière, qui aura le mandat, en tout cas au début, le mandat pour faire cette opération. Voilà à peu près. Cool, c'est pas mal effectivement d'indications et voilà, trouver peut-être l'expérimenter sur un endroit qui n'est pas trop critique et voir ce que ça peut donner si on comprend les avantages. Ouais, c'est ce que je voulais dire, effectivement. Si on le fait soi-même, c'est effectivement identifier des parties à la fois pas complexes, mais pas trop peu complexes, et pas critiques, et un peu critiques quand même, pour avoir un truc hein, au juste milieu. Mais si c'est trop facile, on va pas avoir l'intérêt du truc, quoi. Et si c'est trop dur, on va abandonner. Ah Voilà, ouais, merci, je comprends. mais du coup, avec cette notion quand même d'éduquer aussi l'organisation en présentant comment ça fonctionne et voilà une manière de faire possible et ça doit prendre, ça peut pas être fait sans que l'organisation s'engage en fait d'une certaine façon, même à un petit niveau, à ce qu'il y ait cette évolution-là, Oui. l'organisation ou l'équipe, la guilde de front, si jamais. Cool. Donc une autre question que Anthony posait, enfin c'était plus une remarque, mais je trouve que ça suggère une question sur le fait que l'isolation du code métier côté front-end dans le framework, elle n'est pas toujours facile, côté front-end ou côté back-end d'ailleurs. Moi, la question que j'entends, si j'extends un peu ce que tu dis, Anthony, c'est finalement dans quelle mesure on peut tirer bénéfice de la clinarchie, même si on n'est pas full clinarchie et qu'on n'a pas encore terminé justement de bien séparer le métier du reste. Est-ce que même quand on n'est pas entre guillemets à 100% opérationnel sur sa codebase sur ça, on peut commencer déjà à en tirer des bénéfices. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, clinarchie, hexagonal architecture, c'est un nom marketing pour inversion de dépendance, le fameux D de solide. Du coup, du moment où on arrive à injecter slash inverser des dépendances, c'est gagné en fait. Là, on met juste un nom marketing sur un concept vieux de plusieurs dizaines d'années. Du coup, si ton code à un moment t'arrives à l'injecter, bah, en fait t'as gagné en fait. Et le bénéfice c'est bah, comme ça injecté et inversé, la partie qui reçoit cette injection n'est plus dépendante. Donc à partir de là, voilà, c'est gagné en fait. Et tu fais de la D'accord. chirurgie quoi, Et indirectement. tu peux le dire. Ah Yes. si, c'est vrai. C'est que du vocabulaire, en fait. Ouais, bien sûr. Sur justement, il y a le state management, c'est quand même une partie importante quand il y en a dans une app. C'est Michel qui posait la question. Pour savoir comment, où tu vas le mettre, justement, si tu vas le mettre dans le domaine, peut-être si tu vas le splitter en fonction de ce que c'est les actions, est-ce que c'est les réducteurs, etc. Comment, quand il y a un state management, comment tu vas structurer justement ton métier, le découper? Ouais. C'est une large question et un large débat parce que un state manager, pardon, c'est pas comme un peu son truc, c'est une dépendance, hein, il ne faut pas se voiler la face, hein, c'est une dépendance. Après, on fait le choix ou non de se coupler à elle. Moi, à titre perso, j'en connais d'autres qui font le choix délibéré de se coupler à elle. Donc, on introduit du Redux, du Nginx ou des choses comme ça dans notre domaine. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, toujours mon laïus, un choix, ça a des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages, c'est que bah, j'épouse un peu les principes de Redux, tout ça, et je n'ai pas à faire une indirection avec autre chose. Avantage, oui, je me coupe la Redux, mais est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que mon avantage est supérieur
au désavantage. Dans mon cas, pour moi en tout cas, parce que c'est très subjectif hein, comme analyse, c'est oui. J'ai plus d'avantages à introduire et à faire le choix délibéré d'avoir mon state manager dans mon domaine. Donc, dans mon domaine, je vais avoir des actions, des réduceurs, des choses comme ça. Donc, du vocabulaire ici, Redux, mais demain, enfin, ça peut être des FX pour NGRX, par exemple. Je sais qu'il y en a d'autres, bah, voilà, ils se disent, c'est une dépendance, du coup, je la mets hors dehors de mon centre. Et elle va appeler des use cases, un peu comme je montrais à la fin pour mes Pokémon, là, des use cases où c'est vraiment que du langage, voilà, un peu comme en bac. Ça crée une indirection, mais après, l'argument qu'on m'a donné et que j'entends, ça ressemble beaucoup plus à du bac en séparant les deux, ce qui est vrai en soi. Mais après, enfin, pour moi, ça crée une indirection qui n'est pas nécessaire. Donc voilà, donc c'est un peu une réponse de Normand, hein, mais ma réponse, en tout cas de mon point de vue, c'est j'accepte de me coupler à mon state manager. Voilà, pour moi en tout cas. Avec ce que ça en pense. Voilà. Ok, très clair. Alors, Gaëtan a posé une question et tu as un peu répondu au fur et à mesure de ta présentation. Comme on voit bien qu'il y a cette séparation des concernes dans cette archi-là, poser la question de savoir si ça implique, si tu recommandais de passer par tout de même de rester en monorepo. On l'a vu dans ton exemple que c'était le cas. Est-ce que tu as quand même quelque chose par rapport à ça à réagir? Alors, ben, alors, est-ce que la question sous-entend qu'une certaine partie serait dans un autre repo? Si c'est ça. Je pense possiblement. Est-ce que Alors, c'est quelque chose qui est possible, qui est conseillable, qui est recommandable ou au contraire qui ne l'est pas? possible, tout est possible, évidemment. Moi, je ne le recommanderais pas. Pourquoi? Parce qu'on va arriver aux mêmes problématiques que les microservices qui sont sur plusieurs repos. C'est-à-dire que si on va vouloir modifier quelque chose, il va falloir ouvrir deux repos. Faire deux MR, faire deux cycles de déploiement, faire enfin, plein de choses dissociées parce que c'est sur deux repos différents. Après, si on veut s'amuser à faire un monorepo avec, je sais pas, avec Lerna ou Yarn Workspace, pourquoi pas? Après, pour moi, c'est plus ajouter de la complexité pour pas grand-chose. Mais bah, comme tout, hein, c'est toujours faisable. J'ai envie de dire, moi, j'aime bien être toujours dans cet aspect-là. Tester, voyons ce que ça mène. Si ça mène beaucoup plus de problèmes qu'autre chose, ben on revient en arrière. Si ça a marché, ben c'est cool, on a testé et du coup on poursuit quoi. Mais voilà un peu mon point, ouais. Ça marche. On va pouvoir prendre une dernière question, je pense. Je vais essayer de. Bon, alors sachant qu'encore une fois, Mickaël, tu réponds beaucoup aux questions et aux commentaires qui sont posés sur LinkedIn. Donc vraiment, je vous invite, si vous voulez poursuivre la discussion, à le faire. Je crois que tu avais posté sur LinkedIn ta participation à cette conférence. Donc ça peut être le point de départ à une discussion sur ça. Tu réponds dans le détail à ces questions. Donc c'est chouette. Mais peut-être une dernière question. Je vais essayer de regrouper la question de Christophe sur le niveau de complexité du business nécessaire pour que ce soit efficace ou pas, et aussi la question de Kevin sur la notion de legacy. Quand on a un legacy qui est très gros, dans quelle mesure, par où il faut commencer. Donc j'essaie de reformuler tout ça, et du coup la question ce serait, est-ce que tu vois peut-être des cas dans lesquels il est plus pertinent, et d'un point de vue business aussi, parce que plus faisable, parce que peut-être plus proche dans le temps de voir les résultats en termes de complexité du code, en termes voilà, de complexité du code et peut-être aussi de legacy. Est-ce qu'il y a peut-être des moments, enfin des contextes, des situations dans lesquelles il est probablement moins intéressant de se lancer dans cette démarche-là, tout de suite? Et peut-être de se dire qu'on fera les choses from scratch mieux plus tard, ou au contraire, tu penses que vraiment tous les cas de complexité de code base et de métier peuvent bien s'y prêter dès le jour 1.
En fait, je pense que la réponse est en deux parties. La première, tu as un peu évoqué, on en a un peu parlé juste avant, c'est au niveau du métier, du client, enfin, tout ce qui est fonctionnel, c'est si on n'arrive pas à l'embarquer dedans, en fait, c'est soit on va faire les trucs en sous-marin, pourquoi pas, hein, c'est une façon de faire, hein, soit on va être bloqué. Parce qu'ils vont vouloir délivrer toujours de la feature, de la feature, de la feature. Et même si on leur dit, ah, mais ça va, là, j'arrive plus, machin, je suis sous l'eau, ils s'en foutent, ils veulent de la feature. C'est un métier, enfin, des fonctionnels qu'on peut rencontrer. Heureusement, moi, j'en ai jamais rencontré. Enfin, pour le moment, en tout cas. Donc là, voilà, il y a un aspect, si on veut refactorer un code, il faut, quoi qu'il arrive, embarquer les fonctionnels. En leur expliquant, moi ce que j'aime bien faire, c'est j'aime pas l'effet Big Bang. C'est-à-dire, on laisse tout, on va dire, V1 dans son coin, on n'y touche plus. Et pendant 3 mois, par exemple, on développe V2 en faisant que du développement et un peu bien en tête, avec gros effet tunnel de 3 mois. Et on espère que dans 3 mois, on sorte un truc viable. Ça ne marche pas. Tout ce que j'ai vu fait comme ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le métier qui veut des nouveaux trucs. 3 mois, c'est jamais tenu en 3 mois. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Moi, mon approche, c'est plutôt, j'embarque le fonctionnel en lui disant, voilà, aujourd'hui, la code base, elle est comme ça. Elle est compliquée à maintenir en sortant des arguments, évidemment, à maintenir, à faire évoluer, tout ça. Ce que je te propose, c'est on va la reprendre en main. Pour la reprendre en main, on a besoin, parce que si on est une équipe, on a besoin de ralentir, voilà, au début en tout cas, pour poser un des fondations solides. Et après, progressivement, au fur et à mesure qu'on arrive à migrer des trucs, on va gagner, on va aller de plus en plus vite. Et surtout, le truc pour moi primordial, c'est que quand on va faire ça, un, on va embarquer des fixes de bugs, et deux, on va embarquer aussi des fonctionnalités. Et donc, comme ça, le métier, il n'est pas là, oh, merde, je perds 3-4 mois sur ma roadmap, je pourrais rien livrer à mes clients, machin. Non, là, alors c'est des trucs qui vont être priorisés, certainement, hein. Mais en tout cas, on embarque des bug fixes, des optimisations, mais je rentre ça dans les bug fixes, et des nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est important pour le métier, parce que lui, il veut voir son truc qui avance. Et ensuite, la seconde partie technique, tout s'y prête. Après, c'est plus ou moins difficile. voilà, si on a une code base avec, je sais pas, 100 000 lignes de code, oui, ça va être plus long qu'une code base avec 10 000 lignes. C'est sûr. Voilà, et aussi avec notre niveau de compétence, est-ce qu'on part de zéro ou est-ce qu'on part de plus que de connaissances assez solides, trucs comme ça. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Mais Yes, bah c'est un vaste sujet de toute façon. Et je vous invite vraiment à prolonger la conversation après cette conférence. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu et répondu aux questions. Merci à toutes et à tous aussi pour votre participation et vos questions intéressantes. On se retrouve bientôt. On vous annoncera tout ça sur LinkedIn avec des très belles masterclass à venir. Merci Lucie d'avoir organisé cet événement et on vous retrouve à bientôt et effectivement on envoie le replay à tous les participants et à ceux qui n'ont pas pu venir mais qui s'étaient mis sur le Meetup, il n'y a aucun problème. Et on repartagera ça aussi sur LinkedIn. Donc merci encore et bon appétit tout le monde. Merci Mickaël. Merci. Au revoir.